Bonjour à tous, juste pour vous faire un petit haul Action Vaise. Alors nous sommes partis ce matin avec mon amie Alexiane et nous avons trouvé quelques petits trucs bien intéressants. Alors déjà je vais commencer par, je ne les avais pas pris la dernière fois, donc je vais commencer par les dailles. Je ne l'avais pas pris ceci, j'avais pris les autres. Mais là, ça ne m'avait pas intéressé. Puis j'ai dit, bah tiens, si, en définitif, voilà, c'est bien. J'ai pris celle-ci aussi qui ne m'avait pas trop intéressée parce que, bon, des naissances, j'en ai eu. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai d'autres, n'est-ce pas? Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Mais je l'ai pris quand même. Là, j'ai trouvé super sympathique hein, avec cet envolé de petite fille. Il n'y en avait qu'un la dernière fois. Je crois que je l'avais laissé à Alexiane. J'en suis pas certaine. Je crois que c'est un nouveau. Enfin bon, pour nous. Hein. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je l'ai pris la dernière fois. Je ne sais pas. Sinon, ben, c'est pas grave. Je l'aurai en double. Ça sera pour un petit cadeau pour le futur. Alors celui-là, je l'ai pris aussi la dernière fois, je l'avais laissé à Alexiane, je crois. Puis je le trouve très très mignon. Donc je l'ai récupéré cette fois-ci. J'ai trouvé ceci. Voilà. Je ne l'avais pas pris, donc là, il m'intéresse. C'est joli, hein, ces fleurs. Elles sont très très jolies, ces fleurs. Et enfin, on a trouvé ceci, ce matin, à Action Vaise. Donc j'étais bien contente. Là, je suis en train de... si vous regardez sur Petite Créa de Lulu sur Facebook et Lulu Rouscrap sur ma chaîne YouTube, je suis en train de me faire les classeurs d'ail. J'avais vu ça sur la chaîne Luna Création qui avait, elle, vu ça sur une chaîne d'une copine. Donc, je me suis décidée. Mais là, manque de peau, comme elle le dit dans... comme le dit Luna, je n'ai plus de papier magnétique. Donc, je suis... coincé, j'ai pu en faire que deux. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tampon, alors moi j'ai pas trouvé, il n'y avait rien du tout, c'était vide. J'ai trouvé que ceci. Ils sont intéressants. On en a déjà, hein, on en a, mais je crois que je dois en avoir un ou deux. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y a le gros là qui est intéressant. Donc je l'ai pris. Alors pour les dailles, j'ai oublié de vous dire, c'est un 99. Oui, je crois. Ouais, enfin je sais pas, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde connaît les prix maintenant de chez Action. Oui, j'avais dit que j'y retournais plus, mais vous me connaissez, je tiens jamais. Oh, c'est horrible, je suis horrible. Voilà, j'ai pris ça, un petit rouleau comme ça, les autres ne m'intéressaient pas trop. Ouais, j'ai dit, ben ça peut toujours servir. Voilà, et puis j'ai pris en jaune parce qu'il va y avoir Pâques et des perles jaunes, on n'en a jamais assez. Je trouve qu'elles sont... En plus, elles ressortent super, super bien. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris ça. Alors, il y avait toutes les boîtes de toutes les couleurs. Mauve, je ne sais pas combien il y en a. Mauve, bleu, vert, jaune, rose, je crois. J'ai pris que celle-là. J'ai reposé les autres parce que je me suis dit, ma vieille, tu vas encore avoir une note salée. Mon mari m'a dit, ne dépense pas les sous que tu n'as pas. Désolée chérie, hein, mais j'ai dépensé. Mais plus dans des petites conneries parce que... Enfin, conneries. Parce que tout le gros, j'ai commandé chez Stampin' Up. Je vous ferai d'ailleurs un haul Stampin' parce que j'ai recommandé ce mois-ci. Voilà, j'ai recommandé et j'ai fait encore, pour moi, une grosse commande, plus de 200 euros. Donc, comme la dernière fois, voilà. Un peu moins que la dernière fois quand même. Donc ça, c'est jaune, c'est bien. Vous avez des petits boutons. J'en avais pas spécialement des jaunes. Les petits kiki et orange, on voit que c'est Pâques bientôt. Les petites fleurs, les petits pompons. Alors là, ça, c'est des petites feuilles, vous savez. Ah, ça brille, hein. Je suis... Voilà. Des petites feuilles. Les petites twins, là. De jaune et orange, je n'en avais pas. C'est difficile. Et puis tous ces petits pompons. Oh, regardez les kiki jaunes. Ils sont super... J'ai du mal à me mettre, voilà. C'est super. Non, c'est très bien, ça. Ça, je ne sais pas combien ça coûte. Hein. Oh là là. Accessoires de loisirs en boîte, eh ben, c'est 2,29 €. C'est bien. Mais j'ai bien fait de poser le reste. Oh là là. J'ai repris des fleurs comme ça.
Voilà, oui, voilà, j'ai pris des roses parce que je dis c'est avec Pâques aussi. Je trouve que c'est bientôt le printemps, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est vrai que je suis toujours en avance. Mais je les aime bien, celles-là. Je ne vous dis pas le prix, je n'ai pas envie de les chercher. Ah, ça, c'était 89 centimes, je crois. Là, je les ai trouvées. Alors, il y en a une qui est abîmée. C'est pas grave parce que, de toute façon, j'ai pris une blanche pour Alexiane et une blanche pour moi. Celle-ci, elle est abîmée. Je remettrai, c'est pas grave. Hein. Voilà, en blanc. Encore en blanc. Ah ben non, alors il y en avait trois de blanc, puisque Alexiane... Ah non, excusez-moi. Regardez la différence. On ne voit pas trop à l'œil, mais c'est beige et blanc. Voilà, un blanc, un beige. Enfin, beige, ouais, crème, on va dire, crème. Et j'ai repris des bleus. J'aime bien ces petites fleurs. Moi, je travaille beaucoup avec les fleurs. J'ai pris celle-ci, parce qu'il y a des toutes petites. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait de la carterie. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, en plus, les couleurs, là, regardez ce petit vert. J'aime beaucoup. Il m'en restait, mais c'est vrai que je m'en sers pas mal. Les petites bleues, les petites roses. Voilà, moi, je les prends beaucoup pour les toutes petites. Celle-ci, donc. Et puis, j'ai pris celle-ci. Ben, c'est la même. Non, c'est des couleurs différentes. Voilà. Elles sont jolies. J'aime bien. Et puis, alors, j'étais super contente parce que j'ai trouvé les autres. Les nouvelles. Voilà. Elles sont un peu grosses, mais c'est pas grave. Elles sont très, très jolies. Regardez, celle-là. Elles me plaisent beaucoup, celle-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je crois que j'ai pris... deux comme ça, parce que j'aimais beaucoup. Et puis, j'en ai pris une comme ça. Alors, je sais pas combien il y en a de différentes. Hein. Je sais pas du tout. Bon, je sais pas. Et puis, j'ai pris celle-ci. Les fleurs, papier. Je sais pas. Mais je sais pas combien c'est, ça. 79 centimes ? Ah ben oui, 79 centimes. Il y en a 79 centimes. Non, mais c'est ça. Ouais, 79 centimes et 84 centimes. Alors, ça doit être les 84. Et celle-là, ça doit être les 79, je pense. Après, j'ai pris le classeur à embosser. Il est joli, celui-là, parce que c'est un peu difficile. Bah, de toute façon, je vais l'ouvrir parce que, comme je m'étais fait une boîte, je m'étais créé une boîte pour mes ATC et mes... Non, pour mes classeurs d'embossage. Voilà, on voit mieux comme ça. Regardez, il y a des... Alors, oh, ben non, moi, j'invente des choses. J'ai cru qu'il y avait des lettres, non. Vous voyez, il y a des petits points. Et puis là, c'est des traits. Il est très bien, celui-là. Je le cherchais en plus, je suis contente. Alors, celui-là, le classeur d'embossage, j'ai vu tout à l'heure. 1,99, non? Oui. Non, c'est matrice de découpe et d'embossage. Ben, je ne sais pas combien. Pas. Je ne sais pas. Ah, ben, j'en avais des roses. Voilà. Je n'avais même pas fait attention que j'avais celle-ci. Alors, oui. J'ai pas acheté grand-chose, mais j'ai acheté le tapis, là, parce que j'ai abîmé, j'avais récupéré, j'ai de la un genre de lino hyper épais qu'on avait acheté chez Saint-Maclou et qu'on s'était fait poser parce que j'ai un couloir qui part en biais, donc on a préféré le faire poser pour le couloir d'entrée et le couloir que j'ai dans les chambres et dans les placards. Donc j'ai récupéré un gros morceau que je mets sur ma table de travail dans la scrap room et ben, je l'ai un peu abîmé quand même. Hein. Donc je me suis acheté ce grand tapis. Je vous le ferai voir après. Et j'ai oublié, je me suis acheté ça. Parce que j'en avais prêté une petite à une copinette. Et puis bon, ben voilà, la copinette ne me l'a pas ramenée. Donc je lui laisse. Et je me suis racheté carrément le grand à 12,99. Je ne vois pas le... 12,95. Planche de dessin LED A4. Il est super bien. Mieux que l'autre d'ailleurs, il est plus costaud. Hein. Il n'y était pas la dernière fois, je l'ai vu passer sur des vidéos et je me suis dit, oh là là, si je le trouve, je le prends tout de suite. Il y en avait à Action, chez Action Vez, il y en avait deux. Deux, voilà. Donc ça, je suis contente de mon achat. Après, ça n'a rien à voir avec le scrap. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais je vous fais voir. J'ai acheté ça pour nettoyer les écrans, parce que alors, ma tablette,
les écrans. D'ailleurs, je me demande si je vais pas l'emmener chez ma mère demain pour lui nettoyer son écran d'ordinateur, parce qu'il est plutôt cracra. On ne se rend pas compte. J'ai ma tablette, c'est pareil. On ne se rend pas compte du tout. Donc, non, je suis bien. Je suis super contente de ça. Le prix, j'en sais rien. Voilà. Ah ben tiens, 1,99. Non, mais franchement, vous avez même la lingette. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, peut-être des retours, je ne sais pas. J'ai pris ça. Comme je suis une vieille, maintenant c'est trop tard, hein, tout tombe. Hein. Bonjour. Tout tombe. Mais j'ai pris ça, c'est un Jade Roller Massage, 1,99. Vous savez, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui s'en servent pour se masser le visage, pour éviter de vieillir. Mais moi, comme je vous dis, bonjour, c'est un peu foutu pour moi. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, hein, on vieillit, hein. Je me suis pris un petit abat-jour. Alors, je ne sais pas. Provision plastique, Jade Roller. Je ne sais pas combien. 1,99, je crois que c'était. Ou 1,69. C'était vraiment pas cher. J'ai récupéré une lampe que j'avais dans ma salle à manger, dont je l'ai mis dans ma scrap room. Parce que ma petite lampe, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Donc là, je suis contente. Ça va la finir de l'habiller. Voilà. Bah, et me suis acheté des chaussettes. Parce qu'ici, les chaussettes, elles disparaissent. Donc, c'est pour les hommes. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais ça sera pour moi. Voilà. Parce que plus j'achète de chaussettes, moins il y en a chez moi. Hein. Je sais pas chez vous si c'est comme ça. Et puis, oh, j'ai oublié un truc. Regardez, je me suis fait mon petit plaisir à 1,69. After, 1,29. Non. Nestlé After Eight, la boîte de 200 grammes, 1,69. Je vais l'entamer de ce pas. Parce que j'adore ça. Et puis, ah bah oui. Des lions. Alors, les lions, je ne sais pas. Ah, l'abat-jour, c'était 1,99. Voilà, 1,99. Et la bobine, vous savez, avec les diamants et tout, la ronde, là, c'était 84 centimes. Et ça, c'est quoi ça, alors? Je sais pas. Ils m'en ont fait cadeau? Étonnant, étonnant, étonnant. After Eight, ben, je sais pas où c'est, dit. Ah ben, j'en sais rien. Je sais pas. C'est quoi, ça? Flying Saucer 50 grammes avec parfum de fruits. C'est quoi, ça? Hein? Je sais pas du tout ce que c'est, ça. Clear Stamp. Ah, c'était 79. Ben, je sais pas. Ah ben, alors. Je sais pas où c'est que c'est passé. Bon, j'ai oublié de vous faire voir ça. Regardez. Je l'ai oublié dans mon cabas. C'est dans mon cabas. Voilà. C'est joli. Je l'ai trouvé joli. Ouais. Et on va essayer de... Ouf. Oh, on va pas bien voir, hein. C'est des petits pois, si, avec du feuille. Hop. Là, c'est sans feuille. C'est des petits pois. Ah, oh, c'est joli, ça. C'est C'est quoi ça? Des petites fleurs. Des petites fleurs, hein? Ouais, des petites fleurs. Là, c'est hyper pastel. Ouais, vous voyez quand même ces fleurs. Elles me font passer un peu à celles de Stampin'. Enfin, je vous dirais ça. Non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Non. Je vais recevoir bientôt mon colis. Je pense mercredi ou jeudi. Ah, ben, bien sûr, il est à l'envers. C'est un oiseau. Je l'ai mis à l'envers. Elle nique que douille, mais elle nique que douille, cette Brigitte. Voilà, toujours pareil, voilà, avec l'oiseau. Ouf, ça se casse. En bleu, avec des petits pois, sans feuilles. En rose, avec des petites fleurs, toutes petites fleurs. Voilà. Alors ça, c'est du feuille rose. Et puis là, non, c'est nature. Je suis dans après les natures. Oh là là, celui-là, ah non, celui-là, il est super joli, regardez. Oh, il est très très beau. Je l'aime beaucoup celui-là, tiens. C'est des jolies couleurs. Oh là 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 là. Ouais, très 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 joli. J'aime bien. En bleu, les petits pois de tout à l'heure en bleu. Ben, c'est les deux mêmes. Voilà. Des petits cœurs, ben, j'aurais dû l'acheter pour la Saint-Valentin, celui-là. J'avais pas de truc de Saint. Je fais pas vraiment ce pour la Saint-Valentin. Sans feuilles. Bon, ça peut toujours servir pour un petit mariage ou une petite naissance. Ah, j'aime bien. J'aime bien.
ça. Bah, le même, je ne vous le montre pas parce que c'est le même. Des petites fleurs comme ça, enfin des fleurs comme ça avec eux. Ah, il y a des fruits aussi. Très joli. Ouais. Très très joli. J'aime beaucoup. C'est le même, je ne vous le montre pas. Là, en rayure. Voilà. Il n'y avait rien en papier. Hein. Action Vaise, il n'y avait rien. Les fleurs, on a fait la razzia, mais il y en avait encore. J'ai résisté à aller chez Nos demain, mercredi, je vous signale. Hein. J'ai résisté parce que là, ça m'aura fait des pensées. Non, je ne vais pas dire le prix parce que ça monte très haut. Et puis, il y a toujours des rageuses. J'en connais certaines qui vont encore critiquer. Ouais, tout ce qu'elle dépeint, ça, gna gna gna. Eh bien, on fait avec ce qu'on a. Et puis, voilà. Hein. J'ai horreur de la jalousie. Ça, c'est quelque chose. Je ne suis pas envieuse et j'aime pas quand les gens envient, c'est pas bien. Donc, on fait. Là, je peux. Puis, bientôt, je ne pourrai plus du tout. Donc, j'en profite maintenant. C'est ainsi va la vie, hein, de toute façon. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai repris des petites boîtes. Comme ça, elles sont géniales. Parce que quand je prends des petites crises de boulimie, parce que oui, je suis boulimique par moment. Je mets mes cacahuètes dedans. Oui, je sais, c'est pas bien. Mes cacahuètes ou mes bonbons. Mais généralement, les bonbons, ils restent pas longtemps. D'ailleurs, si, parce que... Attendez, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Regardez. Voyez ? C'est pas bien ce que je dis, parce que regardez, on n'a pas fini les bons becs. Alors, pour vous dire, elles sont géniales, ces boîtes. Hein, faut les acheter. En plus, je ne sais pas combien elles sont. Oh là là, elles sont à 2,59 €. Ouais, à 2,59 €. Franchement, quand vous allez dans d'autres magasins, j'ai enlevé les bons becs, quand vous allez dans d'autres magasins, vous les payez 4 à 5 €. Hein. Parce que moi, quand je vais voir à Monoprix, c'est 0,8 litres. Voilà. Ouais. Non, mais elles sont super bien. Regardez. Oh, voilà. Elles sont très très bien. Je suis très contente. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des gâteaux sucrés. Ouais, n'importe quoi. D'ailleurs, vous savez, je viens d'y penser parce que je regarde. J'ai une grosse caisse avec que j'avais acheté chez Action aussi avec plein de fleurs dedans. Et là, je me rends compte que bah, les nouvelles pour les différencier, ça serait pas mal. Je vais peut-être les mettre dans une petite boîte. Ah ouais. Ouais, ouais, ça pourrait être sympathique. Ouais. Parce que je suis toujours en train de farfouiller dans ma boîte. Oh là 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 là. C'est mortel. Ouais. Enfin voilà, bah, je suis bien contente de mes achats. Ah bah tiens. C'est mon mari certainement qui m'appelle. Il a dû sentir que j'avais acheté chez Action. Et c'est mon timing de chez BTS qui chante. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis ben à Stampin' Up, hein, là, au prochain achat de Stampin'. Bisous, au revoir.